j'étais en train de préparer dans ma prière, c'était des prêtres. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je dois enseigner à ton peuple? Dois-je, parce que c'est, nous sommes dans la saison de foi, dois-je continuer à prêcher du début jusqu'à la fin de la foi, ou tu as autre chose à me dire? Et si Dieu m'a dit, oui, il faut continuer avec la foi. Seulement, commence par la création. Parce que je vais créer des choses à mes enfants. Je vais recréer des choses dans la vie de mes enfants. Par le terme de la création, mes enseignements de la foi, et la foi va compter encore, et ils me verront à l'aide. C'est ainsi qu'aujourd'hui, parler sur la récréation. Création, on a juste dit ré entre parenthèses, parce que j'ai parlé de la création, mais moi j'ai mis R entre parenthèses, qui veut dire création, mais moi je parle de récréation. Lisons Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse 1, 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était une forme de vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la boue, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. La récréation. Pour qu'il y ait des sources. Ou la création. Pour qu'il y ait. Si vous analysez bien les passages que j'ai donnés, ce qui est au madame, mon papa, on a précis. C'est au verset 3 que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit que la lumière fille, il séparera la lumière avec les ténèbres, il y a un soir et un matin, c'est le premier jour. Mais ici, je ne suis pas encore au premier jour. Les gens ont avancé 3 débuts, ils ont été exemples, et à l'objet des polés, à la paix pour les amis, et à l'abonné des polés, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ici, je ne suis pas encore au premier jour. Les versets 1 et les versets 2 n'ont rien à voir avec le premier jour. Regarde. La Bible dit, quand tu as commencé son œuvre, il a créé les cieux et la terre. Alors maintenant ici, le verset 2 nous fait la description de ce qu'était la terre avant que Dieu crée la lumière. Que dit la Bible? 1. La terre était informe. 2. Elle était vide. 3. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. 4. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc il y a 4 choses à retenir. La terre était informe. Bon, qui les a été, la terre était vide. Qui les, a été, les ténèbres étaient partout. Bon, les a été, et il y avait des cités qui mouvaient au-dessus des eaux. Donc, cela veut dire quoi? Y a quoi qui va dire? La question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu a-t-elle créé la terre informe? Est-ce que nous avons fait ça dans le monde? Quand il avait créé le monde, est-ce que le monde était-il informe?
Deux. Est-ce que quand Dieu a créé le monde, est-ce que le monde était vide? Il y a plusieurs théories. Ou plusieurs hypothèses. Mais voici l'hypothèse à laquelle je crois que c'est ce qui va faire la base de ma prédication. Vous allez voir, s'il faut se poser la question, à part le monde de la création des anges. Parce que du verset 3 jusqu'à la fin, on ne parle que de la création des choses qui sont sur la terre et des choses invisibles. Comme dans la verset 3 qui nous a dit, dans ce moment-là, ma maman est allée pour que la maman ne soit pas assise à mon pied, mais on ne nous dit pas dans ce passage quand est-ce que les anges ont été créés. Mais quand on est sorti dans mon capot, ici, quand on a plutôt tant qu'on est par ange, par quoi va-t-il la maman? Donc les anges étaient créés. Mais avant pas ange, par quoi va-t-il la maman? Avant le verset 3. Il y a le verset 3. Avant que Dieu crée la lumière, les anges étaient déjà créés. Il y a beaucoup de gens qui ont la bonne. Si les anges étaient déjà créés, cela veut dire que les armées célestes étaient déjà créées. Donc les anges, les séraphins, les chérubins, les anges chéris, tous ces anges-là, ils étaient déjà créés et ils avaient déjà leur place à la côté de Dieu. Lucifer était déjà crié, avait déjà l'adoration, la louange, la musique au ciel. Lucifer, il y a ça qui est dit, louange, adoration, non, sur la musique, et ça dit déjà dans l'autre. Alors quand tu as fini là-bas, mais avant de nous en passer du soir, alors maintenant, qu'est-ce que les choses s'est passé? Et là, comment on peut le il y a eu la rébellion. Et ça dit dans votre tombeau. La rébellion de Satan a eu lieu. Au tombeau qui a Satan. Et Lucifer. Il y a Lucifer. Quand il y a eu cette rébellion, moi, dans mon tombeau, je dois le saluer. Lucifer a réussi à séduire un tiers d'ange. Lucifer y a été dans ton père, lui, ça a été tout le monde dans ma ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui fait les chasser. Alors, quand Dieu a chassé Satan, quand les anges sont sur la terre, cela a créé un désastre. Il y a qui a et ce désastre-là, c'est ce qui a fait que la terre devint et fort. Le fait que les diables et ses anges étaient descendus, ils étaient jetés sur la terre. Cela a créé un cataclysme. Et ce qui a fait que la terre est devenue informe. La terre est déformée. Et il s'est créé des abîmes. Et que l'a mis ma boule. De grands abîmes. Et tout cela font à ce que la terre n'est pas déforme. Ça c'est pour vous dire. Lorsque le diable passe quelque part, il détruit. Alors, la Bible dit la terre était informe. Touchons d'abord informe. Bible le dit m'appelait à quoi ça dit le dégue. Donc si maintenant où ça dit le dégue. La terre était informe. La terre devait informe. Pourquoi? Parce que le diable est descendu. Il a enlevé la forme originale de la terre. Il a le Seigneur. Quand le diable descend dans ta vie, quand il travaille dans ta vie, quand il travaille dans la vie d'une personne, il fait tout pour que la personne devienne informe. Est-ce que as-tu la forme que Dieu a destinée pour toi? Est-ce que vous allez dans l'ordre on zamba mon visa pour nayo? Est-ce que tu vis ce que Dieu a voulu que tu vives? Est-ce que vous obéissez on zamba l'idée que vous obéissez?
olingi yango. Si tu les charges de vie que tu mets, aux autres c'est fait dans l'ennemi à quoi moi moi aux autres. Si tu te regardes, sauf que l'Italie madame, tu vois toi-même comme si ta vie était forme. Tu n'as vraiment pas de forme que tu es. Sauf que l'Italie au moment là où moi 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 non, mais ça peut être dans l'ennemi et tout ça peut être dans l'ennemi et tout ça va l'Italie aussi. Quand tu poses la question qui es-tu, t'as pas tout le monde tout dans l'ennemi au sein. Mais des gens qui savent même pas qui ils sont réellement. Et ça n'a pas tout à y éviter. N'a rien à zali peut être dans vos sommes. Je ne sais pas qui tu es réellement. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ta vie jusqu'à ce que tu perds l'assurance, la confiance en toi. Tu connais même plus ce que c'est que ton identité. Exactement, la maman m'a impéré, moi, elle n'est pas la maman qui m'a eu. Moi, elle s'allait que, oh, mon qui s'amate, oh, mon qui s'attend, on n'est que tout, on n'est que nous, on s'en a, on peut s'en a, on. Ta santé n'a pas été forte. Non, la santé n'a pas été forte. Il n'y a même pas de forme. Il n'y a pas ça dans l'onégueté. Tu es gros, tu es mince, tu es lancé, tu es court. Tu ne sais même pas toi-même, parce que des fois tu es gros, des fois tu deviens mince, tu n'as même plus, tu ne sais même pas. On évite les mots aux âmes, on aime, aux âmes, on guère, aux âmes, on laïque, aux âmes, on pousse. Bon, on soit éclaté, on soit aux âmes. Lorsque le diable passe quelque part, dans mon diable, il y a des questions comme mon corps. On devient des formes. Mais des fois quand le diable descend, parce que quand le diable est à l'état, on ne devient pas simplement informé, mais quand le diable descend, il déforme aussi les gens. Quand le diable est à l'état, donc on n'a pas atteint le point bateau de 5 kilomètres, mais il y a un accompagné, mais c'est dans l'ennemi à quoi ça n'est pas tout. Il y a des gens qui avaient une forme. Et ça, on a pas tout à l'état dans l'ennemi à madame, on a pas tout. 5 ans passés. Nicolas Safé, Baba, vous la 5 ans, il est qui? 10 ans passés. 10 ans passés. Tu avais une bonne forme. On s'en est dit dans l'oreille à madame. Mais le diable est passé par là. Parce que diable est un des tuyaux. Peut-être que tu as commis une erreur. Et ça peut-être que tu as dit que tu as commis une erreur. Peut-être que tu as commis une erreur. Non, ça n'a qu'un autre moment. Erreur ou pas erreur, le diable, quand il passe, il va te pousser aussi à faire une erreur que tu ne faisais pas. Et pour nous qui sommes les négoïos en acquis, la forme que tu as aujourd'hui, le négoïos en acquis de l'eau, l'apparence que tu as aujourd'hui, pour la qui savons, sur la qui savons, la forme de ta maison aujourd'hui, le négoïs en acquis de l'eau, la forme de ton travail aujourd'hui, le négoïs en acquis de l'eau, la forme de tes revenus aujourd'hui, le négoïs en acquis de l'eau, la forme de tes business aujourd'hui, le négoïs en acquis de l'eau, la forme de tes enfants, le négoïs en la forme de ta maison est détruite. C'est ce que nous appelons la déformation. Et Dieu impose la forme que lui veut, non pas la forme que tu as voulu pour toi. Dieu d'ailleurs pour imposer la forme où il y a des qui non forme où ça va faire sa forme. Et ça m'a montré que si Dieu est venu t'imposer sa forme à lui et tu as perdu la forme que tu as voulu que tu puisses en avoir. Dieu d'ailleurs pour dire ma casse forme où il y a des qui la création, la récréation. Côté la tombe, la ressource. La Bible dit, la terre était vide. Ma belle est à moi, c'est là qui pour l'aider. Vide. Pour l'aider. Ça manquait de contenu. Et ma belle est que l'eau qu'on a date. Ça manquait d'éléments. Et ma belle est à ma campo. Ça manquait de consistance. Et dans les consacres à l'île, il n'a pas. Il n'y avait rien qui pouvait donner de la valeur à la terre. Et c'est là qu'il y a l'homme qui pouvait couper sa valeur dans ma belle. Vous comprenez quand la terre était informe, la terre était vide. Aux autres, ce temps, on va vivre ma belle, c'est là qu'il y a une oie qui pourrait. Donc cela veut dire, même les diamants à l'intérieur, il n'y avait pas de diamants. Et lui, dans la terre, même diamant, la terre était saladité. Il n'y avait pas non plus d'or. Attends, où on est saladité? Il n'y avait même pas de terre. Attends, et terre, il y a une saladité. Tout ce que vous connaissez, il n'y en avait pas. Oh, la terre était informe, elle était vide. Ma belle est à moi, ça l'a dit pour l'aider. Dans son sol, la terre était vide. Non, ma belle est à moi, ça l'a dit pour l'aider. Dans le sous-sol, la terre était vide. Dans ce dans ma belle est à moi, ça l'a dit pour l'aider. Il y avait rien de consistant. Et ça l'a dit le nom pour mon côté à ma loi. Vide. Pour l'aider. L'homme est tiré de la terre. Mon tuyau a outil dans ma belle. Si le diable a détruit la terre, ceux qui m'ont goûté à peine ici, ma belle, dans sa forme primaire, dans le règne.
Alors le diable s'est attaqué aussi à monter la forme dérivée de la terre. Mais mon diable y est abondé sur ta ouïe comme vous savez dans mon droit, ça lui va outil dans ma pelle. Ce qu'il avait fait à la terre. Oh il y a ça dans ma pelle. Il continue à le faire dans l'homme parce que l'homme est dérivé de la terre. Il a fallu des valeurs morales. Mais c'est fait de pourquoi? Et ça pour les pourquoi? Qui est fait de pourquoi? Pour l'année, nous sommes pour les. Écoute, dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible est dit. Yo, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible est dit. Il faut les valeurs qui viennent pour dérober. Moi, il y a un papa pour la bourbotte. Égorger. Pour la bourbotte. Pour la bomba, il détruit. Mais pour la bomba, il ça. Jésus nous présente les triples aspects du ministère de Satan. Ah, oui, ce sont des services sur l'on est que le Satan, il y a un apostat et là il y a Satan. Vous voyez, Jésus appelle les diables. Voler. Jésus n'a pas plaigné. Il appelle vraiment par son nom par rapport à son travail de voler. Et vous savez que le diable n'est pas un simple voleur. Il est un voleur à main armée. Vous savez, quelqu'un qui fait les vols simples. Il entre, il soutient, il soufflait quelque chose dans ta pompe, il soufflait quelque chose dans ta maison parce qu'il n'a pas d'instrument, il part. Mais un voleur à main armée, lui, il va aller, il peut aller au-delà des volets. S'il faut qu'il te tue, s'il fait la résistance, il te tue, et puis il prend ce qu'il a besoin. Regardez comment Jésus qualifie les diables. Il appelle voleur. Et regarde ce que les diables font. Il dit, Satan le voleur, il ne fait que pour dérober, égorger, détruire. C'est que c'est un voleur à main armée. Mais t'as raison la disait. Le plus méchant de tous les voleurs, c'est le diable. Alors maintenant lui, c'est lui qui est passé dans ta vie. Si toi hier les aïeux ont été dans mon voyage, il a volé. Alibi. Mais qu'a-t-il volé? Parce qu'il y a alibi. Il a volé ton travail. Alibi mon salaire là. Il a volé ton argent. Alibi mon bonheur. Par l'ambiance. Dans l'ambiance, par la boisson, dans ma sanda, par les femmes, par des dépenses inutiles, par des staffs, il t'a volé. Parce qu'il est volé, il n'a plus le moyen. Il t'a volé. Aïe. Tu n'as plus rien parce que les diables t'ont volé. On a des sous-titres pour te pointer mon goût d'ailleurs à Ibio. Il t'a volé quoi? A Ibio Nini. Il t'a volé ton avenir. A Ibio Nini d'ailleurs. Donc tu vois que tu vis. Tu vis de l'incertitude. On s'en prend, on s'en prie dans la maman, on s'en prie quand on est pété ni pour rien d'autre. Ce qui veut dire que tu n'as plus qu'à envie dans l'incertitude, c'est qu'on n'a plus d'avenir. Ouais, et toi, c'est qu'on s'assume de l'eau, qu'on s'assume à l'eau et à ma lame. Donc je peux dire que tu n'as pas d'avenir. Donc on s'assume à l'eau et à ma lame. Comme ça, donc ton avenir, ton futur est volé. Et nous, on a dit ça, l'obi, d'ailleurs, il y a quoi, il va bien, pas mon tu ne sais pas de quoi sera fait demain. On a dit que ni, il y a l'obi. Et
Exactement, le diable a volé. Il a volé quoi? Il t'a volé ta destinée. Il t'a volé ta destinée. Quand tu étais promis à l'avenir, tu manquais bien avec le Seigneur. Tu partais bien avec le Seigneur. Et puis le diable est venu. Il va vous faire une porte. Il est entré. Il a volé ta destinée. C'est un voleur de destinée. La Bible nous montre. Beaucoup de gens ont les diables a volé la destinée de beaucoup de gens. Tu n'es pas parmi ces gens-là. Il a volé ta destinée. Il a volé ta santé. Ta santé a été volée. Santé n'a rien à dire à moi. Tu pleures tout le jour. Il y a la santé des pharmacies. Rien ne va. Et là, pour moi, quand tu es au De l'autre côté, vide. Prenez-le. Il t'a volé ton honneur. Aïe, yo, beaucoup, mon aïe. Tu n'as plus d'honneur. Osa, le sou, ma l'autre côté. Déjà, ne te respecte plus. Pas toi, même, y'a pas l'autre. Tu as fait tellement d'erreurs. Osa, là, tellement, ma bébé. Les yeux de ta poussière fait tellement beaucoup d'erreurs. Y'a, y'a, t'inquiète, osa, là, ma maman, ma bébé. Tu es devenu aujourd'hui comme un papier parce que tu es. Déjà, le moment, on a papier. Tu t'es entêté dans certaines erreurs. Et tu t'es justifié. Une longue histoire d'erreur, tu t'es justifié. Mais aujourd'hui, tu es où? Fille. Les voleurs ne viennent pour dérober, égorger et détruire. Moïse y a pas pour la bobo la bobo ma pécobé ça. La Bible dit. Il y avait des ténèbres à la sifa, des ténèbres à la sifa celle de la Bible. Et ça dit dans mon lili na katia ma boulou. C'est-à-dire on ne nous montre pas ce qui est. On ne sait pas voir ce qui était dans les abîmes. Mais on dit, dans ces abîmes-là, à la suite de ces abîmes-là, on voyait mieux que les noirs, les ténèbres infernales. Certainement, depuis les bas profonds de ces abîmes, il y avait des ténèbres, je sais quoi. Il y a vos sons dans la zone d'Israël, ça va être qui l'on a sépété à Boulouan, les arrêtés dans mon lit de ma place. Donc, de tout, le diable a laissé des trous dans ta vie. Diable a dit comme à Boulouan, dans ta vie, c'est bon, il y a des gros trous, des trous profonds dans ta vie. A dit comme à Boulouan, il y a des trous dans ta vie, c'est bon, il y a des trous. Et ce trou-là, cette vie-là, est comblé par les ténèbres. Il y a des gens, c'est lorsque les diables passent dans ta vie, ils volent, ils tirent, ils tirent l'âme, ils tirent les corps des vivants, mais lui il vient tuer là parce que les diables ne tuent pas les corps. Il peut tuer les corps mais sous la permission de Dieu, mais il vient tuer la vie de Dieu en toi. Il fait distordre la vie de Dieu en toi par les péchés. Aïe, a bomi pour mon tati na yopoye a pour mon manzo doke. A ogi mon manzo to soki ka ya sou divi se pas zambe ya pour si manzo de malo. Dans cela y a sou. Bien aimé dans les cieux. Bali kabi kati na kolo. Le ténèbre a envahi ta vie. Mon lit y a moi tongi semi na bomo ina yo. Lorsque le ténèbre envahit la vie d'une personne.
personne, la personne est dans la confusion. Si on vous met quelque part où il y a les ténèbres, donc vous ne connaissez pas, la pour toute la fois que vous arrivez, pas qu'il n'y a pas de courant, vous n'aurez pas de repères. Ce qui m'a dit aussi quand on dit que les animaux, ils ont tiré la voie par votre bateau par la limousine. Vous pouvez battre le nez. Tu vas marcher dans la confusion. Tu ne vas pas marcher normalement. C'est pas ce qui est devant toi. Tu auras un frein à main. Et tu seras dans la confusion. Tu ne verras absolument rien. Mais les gens aussi qui marchent tellement lentement dans leur destinée, dans leur vie, parce que leur vie est remplie de ténèbres. Et ça, je ne peux pas te pour la malembe, la lobby, la barre. Pourquoi tu ne peux pas te faire un frère, mais parce que tu n'es pas si doux mettre les pieds. Tout est devenu bizarre pour toi. Il y a des ténèbres qui te couvrent. Et ça, je ne peux pas. Et tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. Tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. Comment tu vas voir une lumière qui n'existe même plus? Donc les ténèbres sont en train de te dominer. Les ténèbres, ce sont les œuvres de Satan. Les ténèbres, c'est l'emprise de Satan sur toi. Les ténèbres sont en train de te contrôler. Oui. Io. Chacun doit connaître sa condition. Laissez-moi les choses qui puissent changer. Afin que Dieu puisse créer. La lumière est le premier jour. Voici les choses qui étaient. Il y a moins de gens qui afin que l'œuvre de Dieu commence dans ta vie. Il y a moins de missions à faire dans ta vie. Dieu a voulu que tu sois conscient de ton état. Que tu saches ce qui est réellement dans ta vie. Oh, et demain, ça sera le premier jour de la création. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de poser les bases. Pour que tu saches que tu es une prise de conscience. Donc ce qui veut dire, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, si la terre, il y avait des eaux partout. Et ça qui n'a mal ici comme nous. Des bas en haut, il y avait de l'eau. Mais ce qui est bizarre, il y avait des abîmes. Et ça a dit au milieu de ces eaux-là, il y avait des abîmes. Et dans ces abîmes-là, c'est le diable qui contrôlait. Mais là, mais dans les eaux, il y avait l'esprit de Dieu. C'était l'espoir de l'être de Dieu. La présence de l'esprit de Dieu.
Dieu. La présence de l'Esprit de Dieu dans les eaux. Alléluia. La présence de l'Esprit de Dieu dans les eaux. Préfigurer l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, cela garantissait que Dieu allait faire quelque chose, n'allait pas laisser le monde dans le monde. Je suis venu te dire que Dieu ne te laissera pas dans le chaos. Dieu ne te laissera pas sans force. Dieu ne te laissera pas déformé. Dieu ne laissera pas ses habits dans ta vie. Il ne laissera pas les ténèbres dans ta vie. En ce mois de juin, Dieu va s'élever pour faire quelque chose dans ta vie. Jésus-Christ a dit, le voleur ne fait que pour dérober. Shut up!
va commencer le premier jour de l'année. Il va commencer le premier jour de l'année. Il va commencer quelque chose d'aimer. L'Esprit me dit de faire quelque chose, mais je ne sais pas comment on peut le faire. Il aurait fallu que chacun puisse avoir de l'eau. J'allais prier pour que l'Esprit souffle dans ces eaux que vous devez lui voir. Pour la bande de la paix, on est ma phrase pour la carte de la paille. L'invitation pour nous avoir une bonne gagnée. Je sais pour vous allez trouver de l'eau. L'invitation de l'église est toi pour nous avoir. Je ne sais pas comment vous faire. Non, tu es celle qui est la bouteille. L'invitation de l'église pour nous avoir une bouillie, vous allez pour nous avoir une paille, la mission basse. Je sais pas là. Faire ça, mais vous n'avez pas. Bon, dans la salle, on sent dans autre convaincre dans la salle.